Bonsoir à tous et bienvenue sur mon channel. Ce soir, on se retrouve une nouvelle fois avec White Knight. Je suis de nouveau en compagnie de Julie. Bonsoir à tous. Salut Julie. On s'était donc arrêté après avoir trouvé un bidon d'essence et une clé. Donc j'ai trouvé la porte à ouvrir. C'est celle-là. Et à l'intérieur, on a donc les bidons d'essence. Voilà. Donc maintenant notre bidon est plein, on va pouvoir de nouveau activer le générateur. Et enfin avoir de la lumière. Hop. Ah bon. Ok. I heard the sparking, but it didn't. Ah bon. Ah, peut-être un souvenir. Yeah! Bah c'est mieux, hein. Quelle technologie! Bon, maintenant qu'on a de la lumière, ce sera peut-être plus simple. Je sais pas ce qui nous bloquait d'ailleurs pour qu'on... Ah oui! Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est quoi ça? Dégueule-toi! Ça va? Attends. Ok, c'est pas grave. Je sais pas s'il est là, mais j'ai pas envie de le savoir. Et puis, c'est quoi l'intérêt d'avoir... Pourquoi il court, lui? Pourquoi on nous met un générateur si c'est pour qu'on ait pas de lumière? Vite! C'est pas celle-là. Y'a rien! C'est quoi ça? Vite! Pression! En fait, c'est des malades. Putain, c'était horrible. Bon, je vais aller doucement. Hello? Un pas de corridor, s'il vous plaît. Hey, je préfère la lampe. Hein. Je te mets un coup de tête. Coup de tête, je te dis. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ah, je vais essayer d'économiser ma lampe parce que là j'ai plus de piles. Allô? C'est bloqué. Quelqu'un? Ouais, et un mec aussi. Mais moi je le mets comme fou. Attends, je peux prendre ta lampe? S'il te plaît. Elle est mieux la chaîne, elle est plus design. Wow. Elle est peut-être flippante quand même. C'est un docteur. Il bouge, regarde. Non, il bouge pas. Ah si. Bon, j'ai des piles, c'est tout ce qui importe. Tu bouges pas, hein? Je suis mort. Oh, quelle horreur, c'était quoi? Il m'a pas vu, je suis mort. Des piles! Je dirais que je n'en sais rien. Oh là 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 là. Bon, on va continuer. Hein. Pas de problème. J'ai peur de rien.
Ouais, moi aussi. On m'a toujours appris de regarder derrière les murs. Putain de merde. Hey, je sens mal. Je sens mal. Haha, y'a rien. Oh, oh, oh. We all will wear white. Nous porterons tous du blanc. J'imagine, y'a que ça en même temps. Ensuite. Oh, oh. C'est quoi, c'est... Y'a que des mecs là-dedans. Ah bon. Elles sont où les filles? Oh. Ah. Ça je connais. Oh. Non, ça fait... Ah, 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 c'est ta. Comme ça, je pourrais me défendre. S'il y a un mec qui vient, je dis... Poule. Et il tire. Yeah. Un souvenir. De nombreuses voix... Écho, enfin, echoing, c'est... Ils mettent, ils mettent en verbe le mot écho. De fait d'entendre des échos dans ma tête. J'ai toujours voulu être un pompier. One looks me down with a face. De... Il y en a un qui m'a regardé avec une tête sombre, enfin avec un air sombre. Est-ce que ça va? Et après j'ai pas eu le temps de lire. Ouais, enfin, ah d'accord. J'ai cliqué dessus. Viens là toi. Tu seras ma protection. Casse la lampe. Casse la lampe, putain de biche de merde. Quelqu'un? Oh, vas-y maintenant. Oh, je vais défoncer le mur. Moi, je suis un génie. Je sens plutôt mal. Putain, c'est quoi ça? D'araignée. Ok. Une deuxième toile d'araignée. Il va y avoir un truc. Encore une toile d'araignée. On veut de l'action là. Oh. Croyez vous faire peur avec vos toiles là. Une toile en toile. Oh. Non. Il s'est fait découper quoi. Ah ouais, non, mais carrément quoi. Le pauvre. Des piles. Faut du mal à avoir des piles parce qu'on en a vraiment plus beaucoup quoi. T'as cru hein. Non, je ferai pas ça non. Je ne crois pas non. Bon, j'ai l'impression qu'on descend de plus en plus hein. C'est censé être un hôpital, on dirait une mine le truc. Les mines de la mort. Les mines. Une mine. Ah mais c'est quand même flippant là. C'est quoi ces gens qui passent? J'en sais rien mais celui de tout à l'heure m'a fait flipper hein. Ouais. Hé, 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 hé. Pourquoi? Okay. Ah bon. Oh non. Non non non, je suivrai pas cette flèche. Ça va pas ou quoi? Il y a une chose qui passe tout seul, vite, vite. Ah, ah, t'es méchant, je me casse. Ah, encore une chaise, au secours. Putain, au secours. C'est quoi ce truc? Encore une chaise, je fais comment? Les piles, vite. C'est quoi ça? Ah. Vite. Ok, je monte là, hein, parce que... Putain,
Putain, c'est quoi ce truc? On voulait de l'action, mais on est servi, je te le dis. Attends, attends, je vais fermer la porte avec un une seringue. Je peux pas. Ce qui est assez bien, c'est qu'on sent la respiration du mec, c'est serré. Ouais. On sent respirer. Bon, par contre, je comprends vraiment pas. Le mec est en train de parler, on entend vraiment rien, quoi. Sophia, c'est pas le nom de la... C'est quoi ça? Attends! Attends! What did you... What happened to Patrick? Ah, on peut voir le... I always knew you were a sharp one, David. So you figured it out. Ok, c'est elle qui a tué tout le monde, en fait. You weren't a doctor from the start. Yes, David. I wasn't a real doctor. But you can't deny I was a good doctor to you. Hey. Patrick was a good doctor to me. But I can't just accept someone conducting experiments on me. Can I? Alors que c'est elle-même qui est conducting experiments on me. Ouais. Irrespective of some countries. Poor Patrick. He was so devoted to his work. Why are you telling this to me? Does it really matter? You will forget again. I will make you forget. It is easy to make you forget. You don't even remember Patrick was your friend. My friend? So, I was a doctor here? It does not matter who you were, David. What matters is who I want you to be. You will be my first successful experiment since my first real victory. My white knight. Ok. On sait toujours pas qui on est, mais en tout cas... Time for you c'est le malade. To wake up, David. Time for you to remember. C'est même pas pourquoi on atterrit là. J'ai plus ma lampe torche ou quoi? C'est quoi cette salle là? Ah bon? Il est arrivé où? j'ai pas compris là. Y'a rien en haut, qu'est-ce qu'ils nous font là? Monsieur, regarde. Bonjour! Ah, d'accord. Oh! Partir, s'il vous plaît. À mon avis, ça c'est ce qui s'est passé avant le début de l'histoire. Oh, sa copine est à l'hôpital psychiatrique en fait. Ok, donc en fait, notre femme a été internée dans un hôpital psychiatrique et au fur et à mesure, on allait de moins en moins la voir. Elle s'est fait une amie et je pense que c'est la femme qui nous parle depuis le début, celle qui se fait passer pour un docteur.
Stefano! I got you, bitch. Ok. Une note. Qu'est-ce qu'on a ici? Trop long. C'est trop long. On a rien. Ceux qui veulent lire la note, je vais la mettre 2 secondes pour vous mettre pause et vous lirez, mais... Voilà. Avant d'aller à l'étage, je vais quand même checker toutes les salles. C'est propre l'hôpital quoi. C'est des malades en même temps. Là on peut pas y aller. Mais je préfère me taper cet hôpital là que celui de tout à l'heure parce que même si c'est le même, il fait un peu moins peur. Hein. Ça doit être la salle de. Un bureau. Ok, donc il y a eu un problème avec sa femme. On ne sait pas encore quoi. Il y a quelqu'un là? Il y a quelqu'un. Je sais pas qui c'est. C'est ma femme. Attends. Quoi? La statue? Dans le coin de la pièce, putain. Hey, il manque ta tête. Eh ben... Elle doit être déçue. Hein. C'est pour ça qu'elle a coupé ta tête? Sûrement. En même temps, elle pouvait pas couper autre chose. Alors, on va monter. J'espère qu'il y a des choses plus intéressantes à l'étage. What is her problem, doctor? I'm afraid it is much more complicated than previously. J'aime pas les plantes. Donc apparemment, ils l'ont interné pour quelque chose et ce serait pire que prévu. Ok. J'aime pas les plantes. Toi, je te prends avec moi. Un otage. How could I be so blind? She was in front of my eyes all the time. David, this case is not something. So please don't punish yourself. It's not your fault. In fact, quite contrary. It is because of you that your normal personality is much stronger than a sick personality. Donc là, ils expliquent que... Enfin, lui, il explique qu'il a pas vu qu'elle avait un problème alors qu'elle était tout le temps devant lui. Donc il sent un peu coupable de ce qui lui arrive. Et le docteur lui explique que c'est pas sa faute si elle est devenue... mauvaise entre guillemets, mais que c'est grâce à lui qu'elle a pu garder une personnalité normale. Plus d'ampoules. Hello Grace, hello. Hello doctor. And how is Grace feeling today? I'm perfectly fine doctor, how are you? I'm fine Grace, thank you. I see you feeling much better today. Yes doctor. And is there a particular reason for this, might I ask? Yes, Doctor, because he's coming to visit me today. Ok, donc là c'est pour nous signaler qu'en gros c'est parce qu'on venait la voir qu'elle se sentait mieux et je pense qu'on l'a laissé un peu tomber. Hello Grace, how are you doing today? Hello Doctor, I'm perfectly fine. Did I tell you about my new friend? No Grace, you've met a new friend. Yes Doctor, I have a new friend and she's so nice to me, she knows so much. I see, so then you don't find it boring here? No, Ok. This is unlike anything I've ever seen. All this time she was trying to take over, to become the real personality. She grew stronger and I'm afraid I'll have to use some
unprecedented methods. Donc le docteur a découvert que elle avait une double personnalité et que la seule façon de remédier à cela, c'était moi. En fait, il y a que moi qui arrivais à faire garder le sourire à ma femme. Et c'est l'unique raison pour laquelle elle se sentait heureuse dans l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le laisse également. En gros, ça explique qu'ils veulent introduire la musique dans les sessions de thérapie parce qu'ils pensent que ça peut justement calmer les patients. Ok. There is no cylinder in the phonograph. Ok, il va falloir trouver quelque chose pour faire aller à l'intérieur. Il n'y avait rien dans les pièces. Ah bah c'est ça en fait. Je pensais que c'était une... Pas une boisson. Ouais, moi aussi. Donc ça, je pense que c'est la musique qui jouait pendant les sessions de thérapie. Je me cache. Non, je déconne. Joli tableau. C'est tout? Oh! À mon avis, il va falloir rassembler, enfin savoir quel ordre. Ok, alors c'est 1. Je l'ai pas fait? Non. J'ai fait 1, 3, 5, 2, 6, 4, c'est ça? Je crois. Ouais, alors 1, 3, 5,
2 6 4 Ouais. On est doué. Des piles, la morphine. My former Winky. Alors, est-ce que c'est la porte là-bas? Je suppose. Non, c'est pas celle-là. Donc ça doit être la porte du bas où on a vu justement une personne. YOLO. Je peux pas YOLO, c'est pas grave, je YOLO pas. What? Viens là, toi. Toi, tu réponds et moi, je me cache. Il est là, sur le comptoir. Sur le grand noir. Hey! You're not coming to visit me anymore, David? Will you leave me alone here? Will you abandon me? Don't you care what they are going to do to me? Ouais, voilà, on l'a vraiment laissé tomber en fait.